Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Ce soir, nous allons parler très largement du retour du MMA Grand Prix. Ce sera diffusé sur Sport en France le 17 décembre en direct de Bordeaux. Et la tête d'affiche, eh bien, elle n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de Cédric Doumbé, le multiple champion du Glory. Il sera avec nous dans un instant. Mais avant cela, place à l'actualité avec Sébastien Love. Salut Seb, alors on a encore une actualité très riche cette semaine. Bonsoir Lucie, ouais effectivement on a une actualité très riche et la première des actus et non des moindres, la confirmation Saladin Parnasse. Voilà, qui vient donc de prendre sa deuxième ceinture au KSW et non pas au KFC comme on a pu l'entendre ailleurs. Donc il s'impose par soumission hein, dans le quatrième round contre Sébastien Drajewski. Alors la petite anecdote c'est qu'il a battu les deux frangins. Les deux frères Drajewski les a battus, il y avait eu Lucas il y a déjà quelques temps en arrière. Et donc Sébastien, donc gestion parfaite du combat, il a dominé de bout en bout, malgré une blessure au genou. Et là, je tiens à revenir sur cette fameuse blessure au genou. Il faut savoir que Salah Adin s'est blessé à l'entraînement. Le lundi en France, ils font un examen. Ça révèle une entorse de stade 1. Alors l'entorse de stade 1, c'est entorse bénigne avec distension ligamentaire. Ils arrivent en Pologne le mardi, ils refont des examens et là, un stade 2, ce qui veut dire rupture partielle du ligament, c'est-à-dire que le ligament peut péter à tout moment. Ouais, n'importe qui s'arrête 6 semaines sur un stade 2, en fait. Exactement. Sauf que là, donc ils font un petit peu pendant 2 jours, donc du mardi au jeudi, ils font des soins de kiné, avec des massages et des trucs spécifiques pour essayer un petit peu de renforcer, si tant est qu'on puisse renforcer un ligament. Et ils prennent la décision juste avant la pesée, ils ont été faire les bains, ils ont été faire le cutting. Et là, Saladin dit à Hatch et à Arnaud, « Ok, je me sens, j'ai pas de douleur, les gars, on y va, il y a une ceinture en jeu. » Et donc, Saladin combat avec une rupture partielle des ligaments. Il s'impose, il prend une deuxième ceinture. Je pense que c'est le meilleur combattant français en MMA actuellement. Pound for pound. Ouais, la ceinture par intérim et la vraie ceinture sera disputée normalement très prochainement. Ouais, j'aime pas dire vraie ceinture, c'est une ceinture. C'est vraiment extraordinaire. Ceinture de remplacement. Oui, de remplacement. Parce qu'en fait, son adversaire était blessé. Exactement. Et lui, contrairement à Saladin, n'a pas souhaité combattre, prendre ce risque. Donc là, c'est deux divisions différentes. Hein. Il a eu lightweight, là, c'est featherweight. Voilà, Saladin, c'est vraiment, c'est extraordinaire, vraiment. Ouais, il est conquérant et en tout cas, le travail paye. On a également dans le sud de la France un nouvel événement qui vient de voir le jour. L'Arena Goliath MMA, ça a été une réussite. Donc, c'était la 3e édition. Ils avaient déposé un petit peu les valises en Occitanie. C'était la première fois. C'était à Carcassonne, donc organisé par Christian Barret et Gilles Arsène. Une ambiance incroyable, vraiment, pour cette 3e édition, de très beaux combats. Il y a eu des combats amateurs, des combats pros. Le combat amateur, un petit peu, qui a retenu à mon attention, c'était entre Hugo Boisjol et Oumar Misaef. Hugo Boisjol, fils de Fred Boisjol, ancien champion d'Europe et de France de Muay Thai. Donc, c'est victoire donc d'Hugo Boisjol à l'unanimité. Et le main event opposait Daniel Micheli à Cédric Sévrac, qui avait eu le chaos de la soirée au dernier MMA Grand Prix. Malheureusement, Cédric a perdu par soumission dans la première reprise. On a hâte de voir une 4e édition de ce Arena Goliath MMA. Et toujours au niveau local, le MMA Grand Prix qui revient tambour battant le 17 décembre. Ça y est, la fight card vient d'être dévoilée. Fight card dévoilée, en fait, on a des grands noms. Alors, le grand nom, bien évidemment, et ça, on va le voir tout à l'heure, hein, Cédric Doumbé, qui fera sa deuxième apparition au sein de l'organisation. On aura également celui qui l'a rencontré, hein, c'était Title Shy, qui sera également de la partie. On aura Shaban Shaibedra. On aura Jennifer Gotti Pereira, la brésilienne. On aura Jason Poney. Le Bordelais, une autre Bordelaise, Jade Jorent, et on a le nom de celui qui va affronter Cédric Doumbé. Son adversaire, ça sera Florent Burillon. Florent Burillon qui a un palmarès de 2-0 en MMA, donc 2 combats, 2 victoires. C'est quelqu'un qui vient du Sanda et du pied-point. C'est plutôt un esthète, un bon boxeur pied-point. On va voir ce que ça donne contre un adversaire comme Cédric Doumbé, parce que là, niveau striking, je pense qu'il va y avoir fort à faire. En tout cas, ça annonce une belle opposition, mais je pense qu'on va rester sur du striking. Voilà, parce que ça va être deux strikers. Donc voilà, pour les petits détails, Florent Bourillon, lui, il s'est entraîné avec Fares Ziyam et Yanis Gemouris, c'était à Lyon. Et il s'entraîne fréquemment au All Star Gym en Suède. Alors Cédric Doumbé qui devait normalement signer à l'UFC, finalement on le retrouve sur le MMAGP. On va avoir beaucoup de questions à lui poser dans quelques instants, mais la transition est toute trouvée. Ce week-end, on a assisté à un séisme à l'UFC. 2 stars du Glory également qui se sont affrontées, Israel Adesanya et Alex Pereira.
Israël Adesanya qui vient une nouvelle fois de tomber sous les coups de sa bête noire. Donc le Brésilien Alex Pereira, ça redistribue un petit peu les cartes. Ouais, alors c'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est, il a trouvé sa bête noire, ça fait trois fois qu'il le bat. La première fois, donc il le bat à l'unanimité en kickboxing. Le deuxième combat, ils font une revanche, il perd par KO. Et un peu la même physionomie ce qui s'est passé à l'UFC, c'est-à-dire que Adesanya avait dominé en pied-point les deux premiers rounds, il perd le troisième round. Et là, à l'UFC, il domine les quatre premiers. Pereira a eu très très chaud à la fin du premier round. Et puis bah là, le cinquième round, Pereira, de toute façon, c'était ou la soumission ou le KO. Et bah, il nous le met KO. Ouais, et alors, puis, j'ai vraiment l'impression que le mental persévérant et le cardio a fait la différence. Il a suffi d'un moment, un manque de vigilance de la part d'Israël pour finalement avoir l'extinction des lumières. Et il y a un combattant français qui va nous en parler un peu mieux encore, puisque lui aussi, il est passé par le Glory et j'imagine qu'il s'identifie un petit peu à leur parcours. C'est Cédric Doumbé, c'est notre invité Spotlight. Cédric, tu es avec nous en visio. Est-ce que tu nous entends ? Alors, bonjour et bienvenue dans le... Bien sûr. Bonjour, ouais. Il est taquin en ce moment, on va en parler justement, tu as été très taquin sur ta chaîne YouTube qu'on invite d'ailleurs tout le monde à aller découvrir parce qu'elle est vraiment très drôle. Cédric, donc ce week-end, ça a été très intéressant pour toi, j'imagine tu as dû prendre des notes parce que les gars qui étaient dans cette cage, finalement tu as un meilleur palmarès qu'eux au Glory et ils ont quand même fait de très belles choses. On a eu un super main event pour une ceinture à l'UFC et puis des cartes qui sont redistribuées. Tu peux nous donner un petit peu ton regard sur ce combat ? J'étais très 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 émoustillé quand j'ai regardé le combat d'Israël contre Alex. J'avais à peu près prédit ce scénario-là, hein, à part le premier round, qui pour moi était juste incroyable. Mais c'était le scénario que j'avais prédit. Je pense j'avais prédit que Israël fuirait un peu le combat, qu'il ferait du Adesanya, c'est-à-dire qu'il ferait un peu du karaté, de style un peu McGregor, et qui ferait tout pour éviter justement le punch d'Alex et qu'il gagnerait au point. C'est-à-dire que ça ferait un combat très, 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 très boring, ennuyeux. Et finalement, il m'a surpris avec ce premier round. Et là, j'ai eu très, très peur pour Alex. Et puis, quand j'ai vu l'appel de la seconde reprise, j'ai vu tout de suite qu'Alex était revenu et qu'il était déterminé. Et je pense même qu'en fait, c'est ce qu'il fallait à Alex. C'est-à-dire je vais pas dire ce knockdown, mais être dos au le mur, fait qu'il en soit fait. Touché. Voilà, c'est ce qu'il fallait à Alex pour qu'Israël, en fait, prenne confiance et s'exprime un peu plus. Mm. Et c'est ce qu'il fallait à Alex pour le réveiller et pour lui faire comprendre que, hey, fais attention, tu vois, il a deux bras et deux jambes comme toi. Alors, et finalement, ce qui s'est passé, ce que j'avais prédit, c'est-à-dire qu'il suffisait d'une seule patate pour que Alex gagne. Maintenant, c'est bien, c'est excitant parce que ça redistribue les cartes dans la catégorie. Et nous, on aime bien voir ça. Maintenant, on a un peu de peine pour Adesanya parce que c'était un peu lui le taulier de la catégorie. Il est en train de faire sa place même à l'UFC parce qu'un style comme lui, il n'y a personne qui l'a en termes de striking. Donc ça fait un peu de la peine pour lui. Mais nous, public, on est content parce que ça redistribue les cartes et ça donne un peu plus d'effervescence dans la catégorie. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que Alex, donc c'est bien, c'est un monstre hein, en termes de punch, en striking, il n'y a rien à dire, il est juste incroyable, pas techniquement, mais en termes de puissance. Maintenant, quand on a un Chimaev dans la catégorie, je pense qu'il ne peut pas rien. Bah c'est oui. Justement ça, parce que Chimaev a demandé un combat contre Pereira. Et puis son style, c'est un peu du pain béni pour un lutteur caucasien, clairement. Parce qu'il est très, très haut sur ses appuis, ses jambes sont très exposées. Effectivement, ça pourrait être du pain béni pour lui. Pour toi, Cédric, est-ce qu'Adesanya peut vraiment revenir après ce troisième revers ? Parce que là, ça paraît compliqué quand même. Non, pour moi, c'est mort. C'est-à-dire que déjà, là, il part avec... Déjà que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai remarqué que quand il a... Enfin, tout ce qui était autour de ce combat, même quand il l'a call out après son dernier combat, son précédent combat, il n'était pas pareil, tu vois. Il y a cette crainte quand même. Il avait cette crainte d'Alex Pereira. Et il faut dire la vérité, il est effrayant, ce mec. Quand tu vois sa tête, comme j'ai dit sur ma chaîne YouTube, j'ai dit tout est dur chez lui. Ses yeux, sa tête, son crâne, ses genoux, même sa vie, elle est dure. Ouais, il est désespérant. Il est vraiment effrayant. Et là, on le voit, il vient de gagner un combat. Regardez sa tête. Il n'a aucune expression. Il a la même tête qu'à l'anniversaire de son fils. C'est exactement pareil. Et donc...
Et donc, il est très effrayant. Et on a vu, en fait, Israël qui était effrayé par cette personne-là. Et même à la pesée, conférence de presse, tout, on voit qu'Israël, il est effrayé et qu'il a cette crainte. Là, il vient d'essuyer une défaite par KO, encore une fois. Donc, il est obligé de garder la tête haute et de demander une revanche. C'est obligé, c'est un combattant, c'est un athlète. Et en fait, je pense que quand ils vont se re-rencontrer, ça sera exactement la même issue. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire contre la puissance d'Alex. Là, Alex, il a gagné en confiance. C'est-à-dire que là, il va arriver dans une quatrième rencontre encore plus déterminée. Et Israël, il va arriver encore plus craintif. Donc, ça va exactement faire la même chose. Je pense qu'il n'a aucune chance contre Alex. Mais je pense qu'Alex n'a aucune chance dans cette catégorie tant qu'il y a Chimaev. Des mecs comme Chimaev ou des mecs même comme Vettori. Encore Vettori, il y a moyen. Mais si Vettori la joue lutteur, c'est mort. Ouais, mais est-ce que vraiment Adesanya a intérêt de rencontrer encore une nouvelle fois Pereira? Je pense pas. Bah de toute façon, ça va vivre ou mourir maintenant. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Il doit revenir là maintenant ou sinon il perdra de sa lumière, peut-être à jamais, à l'UFC. Ah, oui. Ça, c'est clair. Il n'a plus le choix. En tout cas, pour toi, c'est plutôt de bon augure parce que tu as été multiple champion du Glory. Tu as été bien plus performant qu'eux. Donc, on peut rêver de quelque chose de très ambitieux pour toi. Mais j'aimerais revenir sur ton actualité. On t'avait quitté au lendemain du MMAGP. Tu devais signer à l'UFC. Tu avais signé, d'après tes dires, à l'UFC. Entre-temps, il y a eu des problèmes d'ordre médicaux. Qui avait été révélé par un IRM, donc, qui est une obligation fédérale. Cet IRM avait révélé, ce sont tes propos, hein, je reprends tes propos, un épanchement sanguin. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? C'est une erreur médicale? C'est plutôt quelque chose de passé? On en est où de cette histoire? En fait, comme j'expliquais sur ma chaîne YouTube, sur la vidéo où je dévoile tout, après l'annonce de cet épanchement sanguin, c'était plus une histoire de UFC ou quoi, c'est une histoire de fin de carrière en fait. Mmh. Et c'est pour ça que moi j'ai gardé quand même la tête haute mais les gens ne voyaient pas. Mais derrière, j'étais en pleine remise en question. Je me disais, purée, je dois tout arrêter en fait. Et du coup, finalement, c'était une erreur médicale. Donc c'est bien une erreur médicale. Tu nous donneras l'adresse de ce médecin, qu'on ne dit surtout pas. Donc c'est une erreur médicale. Donc tout est revenu en ordre. Aujourd'hui, si tu fais une IRM, tu es clean. Ouais. D'accord. Oui. Depuis 3 mois se sont écoulés, depuis cette désillusion, que s'est-il passé entre toi et l'UFC? Il y a eu des conversations, des négociations, on t'a proposé des choses? Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a des choses qui ont été proposées, mais ma team et moi, il faut savoir que là, je suis en contrat avec la team Paradigme, c'est ça? Paradigme, voilà, la team Paradigme qui gère un peu, qui gère Conor, qui gère Israël, Leon Edwards, etc. Et on a réfléchi ensemble et j'ai écouté les conseils. Et je pense que le mieux pour moi, étant donné que je suis Cédric Doumbé, donc je peux me permettre de faire ce que je veux dans ce milieu du sport de combat, le mieux pour moi, c'est de combattre en France, en premier. J'ai voulu, ça me tenait vraiment à cœur de combattre à l'UFC Paris. Bon, ça ne s'est pas fait à cause d'un médecin dont je donnerai l'adresse, ne vous inquiétez pas, on va aller le voir. et finalement, combattre à New York, par exemple, ça ne m'intéresse pas parce que bon, je ne suis pas connu comme j'ai pas la même notoriété à New York qu'en France, même si elle est quand même mondiale, ma notoriété, tu connais déjà. Mais c'est pour ça que j'ai dit, écoutez, moi, c'est tout bénef. C'est-à-dire, en plus de ça, je prends encore plus d'expérience. Pour l'UFC, ils sont d'accord parce que pour eux, c'est bénef. Parce qu'en vrai, ils m'ont laissé combattre parce que c'est Cédric Doumbé. Mais jamais personne n'arrive avec 2-0 à l'UFC, 2-0. Enfin, voilà, des stars du cash, on l'en fait. Je me dis qu'admettons, en mars, on te dit un UFC à Denver, ou je sais pas quoi, pourquoi tu le refuserais? Ça serait une lumière supplémentaire. J'ai une théorie, pas en France. C'est parce que tu veux montrer ta capacité à fédérer en France, justement, que tu génères de la billetterie, c'est un argument de vente aussi pour l'UFC, pour mieux négocier? En fait, la première raison, c'est pour moi, parce que je veux faire mes débuts en France. La deuxième raison, c'est pour leur montrer l'impact que j'ai en France. C'est-à-dire que si tu mets un Cédric Doumbé, tu vois, s'ils m'avaient mis moi à Paris, je leur raconte même pas le truc que ça aurait été magnifique en termes d'avant-combat, en termes de pesée, en termes de conférence de presse, en termes de combat, en termes d'interview post-combat et en termes d'après-combat, je me serais régalé, tu vois. Mais moi, c'est ça que je veux montrer.
tu régales la même chose, même si tu es aux États-Unis. Regarde, que ce soit en Europe ou n'importe quoi, en pied-point, tout le monde te connaît. Moi, je te suis depuis longtemps, Cédric. Je t'ai expliqué et tout, donc on se connaît. Mais je me dis, mais pourquoi il refuserait un UFC aux États-Unis, admettons en mars ou en avril? T'as tout à gagner. Parce que l'UFC, ils vont aussi te... Pas pressé. Et en plus de ça, je combats. C'est-à-dire que c'est pas comme si je faisais rien et je restais inactif. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en même temps, c'est marketing dans le sens où les gens m'attendent, ils parlent que de moi. Ils me disent alors l'UFC, mais en attendant, on parle de moi. Et je vais y arriver à l'UFC, tu vois. Et le contrat, il est signé dans tous les cas. C'est pas comme si j'attendais ou je perdais mon temps en attendant. Je vais mettre des KO, comme là, par exemple, à Bordeaux. Alors, j'ai quand même une question. Avant le plat de résistance. Alors, j'ai une question. C'est vrai que quand les événements ont lieu sur notre territoire, on a tendance à faire des matchmaking qui vont permettre de valoriser le combattant. C'est vrai à l'UFC, c'est vrai au Bellator, c'est vrai un peu partout. Est-ce qu'il y a ça aussi dans un coin de ta tête, le fait d'être peut-être un peu moins mis en danger à l'UFC pour ton début de carrière là-bas? Ou rien? Non, j'avais même pas. Non, même pas. Non, j'avais pas. Non, moi je prends n'importe qui. Hein, si... D'accord. Non, si je veux être champion, j'ai tout intérêt à refuser personne. Non, bien sûr, mais tu peux avoir une montée en puissance progressive. Éventuellement. Mmh. Ça peut être un bon. Non, j'avais jamais pensé à ça. Non, d'accord. Je pense que non, c'est pas ça qui me stimule. Alors, du coup, comment ça se passe? Parce que là, tu viens aussi d'annoncer que tu avais re-signé avec le MMA Grand Prix. Donc, l'UFC te libère. Là, tu es libre de contractuellement, en fait. Là, je peux combattre ailleurs en attendant l'UFC en France. D'accord. Mais ça veut dire que tu as quand même une sécurité. Ça veut dire que là, si tu nous fais, par exemple, je ne sais pas, un 2-3-0 sur cette année, dans tous les cas, l'UFC t'attend sagement. Ah oui. Pas signer, on va dire, en exclusivité une autre organisation. D'accord. Ok. Alors, pourquoi le MMAGP? Parce que ça a surpris pas mal de monde. Pourquoi le MMAGP? Déjà, parce qu'il me paye. C'est ce que j'allais dire. À ta juste valeur, tu veux dire? Ah, là, il me paye. C'est pas d'or. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois un peu le travail que fait... l'organisation Abdel du MMAGP, et moi ça me tient à cœur de l'aider, de lui donner un coup de main et de faire partie de son aventure, même si ça ne durera pas longtemps, mais de montrer quand même que c'est une organisation sérieuse, parce que certes il y a d'autres organisations qui font aussi du bon travail, hein. Vous savez de laquelle je parle, je vais pas cracher sur elle fait du bon travail, on voit, hein. on peut pas renier les combats, la fight card, même la qualité de l'événement qu'ils produisent. Mais il y a aussi le MMAGP qui propose de belles choses et j'ai envie de donner de la force au MMAGP, tout simplement. Et tu as eu des propositions de d'autres organisations françaises? Là, je suis en discussion avec le KSW aussi. Donc, donc c'était une rumeur qui était fondée. Oui, sûrement. Il y a eu que celle-là, parce que tu dois en avoir pas mal dans des propositions, j'imagine, d'autres organisations majeures. Pas sérieux, il y a des gens qui me proposent des 7000 euros, j'y réponds, on répond même pas, c'est pas sérieux. Mais sinon, les deux organisations sérieuses avec qui je discute en ce moment, enfin, MMAGP et KSW. D'accord, ok. Alors, qu'a proposé le MMAGP pour te séduire tant que ça? Donc, ok, l'argent, on a compris, pour le reste C'est tout. C'est tout. Après, c'est vrai que bon, il y a des choses que je peux pas dévoiler, mais dans mon contrat, il est assez aménagé, quoi. C'est-à-dire, j'ai un aménagement dans mon contrat, des choses qui font que je peux, voilà, on me laisse un peu faire ce que je veux et ça me fait plaisir. Et puis, comme je vous ai dit encore, c'est l'affinité avec Abdel. J'ai envie de l'aider. Et puis, il y a personne d'autre. C'est-à-dire que s'il y avait, je sais pas moi, une X organisation qui me donnait ce que je demandais, moi, il y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux juste combattre. Et ça a joué le fait que ça soit à Bordeaux, dans ta ville? Ah oui, tu viens de Bordeaux, t'as vécu à Bordeaux, non? Ouais, je viens d'Angoulême plus précisément, sinon Bordeaux c'est à 1 heure. D'accord. Et j'y étais tout le temps, donc c'est pareil. Et ça a joué, non, j'étais juste content, ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai dit magnifique, Bordeaux. Ouais. Ouais. Mais là, ça te met pas une petite pression supplémentaire? Enfin, j'allais dire une pression, t'as plus de pression. C'est lui qui met la pression. Non mais, parce que moi, j'ai toujours dit, Cédric Doumbé, moi, il me fait rêver en pied-point. Après, j'ai toujours du mal avec les gens qui viennent du pied-point quand ils vont en MMA parce que je suis parce que j'adore le pied-point. Et c'est pour ça que je me dis, là, Cédric, il va. Moi, je l'ai expliqué à Angoulême en plus. C'est old school. Là, ouais, c'est old school. Cool. Mais là, du coup, à Bordeaux, chez lui, tu sais un petit peu l'adversaire que tu vas prendre là? Tu t'es renseigné? Moi, j'ai appris il y a 2-3 jours. Bon, là, c'est.
Mais j'ai rien regardé, je sais pas. Ouais. Bah non, ce sera pareil, de toute façon. Pas quoi bon perdre mon temps à regarder les trucs. Ça t'intéresse pas. Bon, c'est un striker, en tout cas. Il a un profil assez polyvalent, oui et non, parce qu'il fait du sanda, donc il a au moins l'aspect projection pour lui. Voilà, mais ça reste un striker. Ouais. Voilà, des palmarès équivalents en MMA. En MMA, c'est pas comparable dans d'autres sphères. On peut en savoir un peu plus sur ton contrat, quand même, alors sans connaître les sommes, mais au moins le nombre de combats, la durée, t'es sur un multi-fight? Non, non, je suis sur un one-shot, là. Ah, t'es sur un one-shot? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, okay. Je peux pas signer. C'est pas de l'exclu, après plusieurs combats, mais... tu vois, je suis sur un one-shot, je veux faire que des one-shots. Tu veux faire que des one-shots, ouais. En fait, tu veux rester agent libre, quelque part, rester disponible. Oui, je peux pas, oui. D'accord, j'ai compris. J'ai retenu une de tes phrases, là, il y a pas longtemps, où t'as dit « Les mots ont un sens, je suis le meilleur combattant tout style confondu. » difficile à... Hein ? Ouais, je pense vraiment. Ouais. C'est difficile. Ah, tu sais, un combattant, c'est pas que dans la cage, c'est pas que dans le ring. Un combattant, c'est un personnage aussi avant tout, c'est une personne, c'est l'humain, c'est tout en fait, qui fait qu'on est un combattant, que ce soit Parnasse, que ce soit Gann, que ce soit n'importe quel combattant, il y a tout qui joue. Tu sais, il y a pas que... C'est pareil qu'un joueur de foot. Un joueur de foot, ça va être ses capacités sportives sur le terrain, mais ça va être le joueur aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit l'image est importante. Et quand je dis que je suis le meilleur combattant français, je prends tous ces aspects-là en considération. Je ne prends pas que ma patate, qui fait que, bon, bien sûr que oui, je suis le meilleur. Je ne prends pas que mes esquives, qui font que oui, bien sûr que je suis le meilleur. Je ne prends pas que mon coup d'œil, qui fait que oui, je suis le meilleur. Je prends aussi mon trash talk. Ma personnalité, ouais. Trash talk. Qui fait que oui, je suis le combattant français. Maintenant, là où je comprends ton sourire et je comprends un peu les gens qui grincent des dents, c'est que j'ai dit au début que j'étais le meilleur kickboxer au monde, personne ne me croyait, on rigolait, on grinçait des dents parce que j'ai battu personne, t'as pas battu Gadji, t'as pas battu un tel. J'arrive, je bats Niki, qui est le meilleur. Ouais. Il y a encore des gens qui ont des choses à dire, mais il y a des gens qui confirment quand même, il l'a dit, il l'a fait. Ok, là j'arrive, je change de discipline, je vous le dis, je suis le meilleur combattant, toute discipline confondue en France. J'ai pas dit dans le monde, je reste quand même réaliste, pas pour l'instant, j'ai dit en France. Il y a des gens qui sourient encore, oui, mais t'as rien fait. Mais c'est pas parce que j'ai encore rien fait que ce que je dis est faux. C'est juste que tu ne le sais pas encore, c'est tout. Ok, c'est des prédictions. Il est visionnaire. Ouais. Et c'est parce que je connais quiconque. Donc je suis assez objectif en plus, quand je parle de ma personne. Et je viens de voir ton classement poids pour poids que t'as posté sur tes réseaux. Il est taquin en ce moment. Non, oui, j'adore, mais j'adore un peu la provoque, moi. Donc j'aime bien ce qu'il fait. Et il y a quoi en fait avec le MMA Factory? Parce que c'est quoi? Il y a de l'animosité? Est-ce que ou c'est qui aime bien châtie bien, ou c'est qui n'aime pas châtie? Franchement, j'ai aucune. Alors si vous me connaissiez, vous saurez. Que il y a pas d'animosité. Je m'en tape complètement de. Je remarque juste des choses, ça me fait rire. Et étant donné que je suis Cédric Doumbé, moi, je peux me permettre de le dire, parce que personne ne va me faire quoi que ce soit. Je peux me permettre de le dire, parce qu'on ne va pas me bloquer dans telle organisation. Je peux me permettre de le dire, parce qu'on ne va pas me bloquer dans tel club de boxe ou dans tel gym. Je peux me permettre de dire tout ce que je veux. Et le truc, c'est que je dis tout ce que tout le monde pense, en fait. Tu vois. Donc, maintenant, mon arme, ou alors ma qualité, c'est l'humour. Donc, et je le fais naturellement, je le dis avec humour, parce que je ne saurais pas le dire autrement, ce ne serait pas moi. Je ne vais pas prendre une caméra, mettre un truc Reebok, enfin des pubs, on appelle ça un photocall Reebok derrière, et mettre un costard et balancer sur tout le monde. Ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas créer un faux compte et m'appeler la sudation et balancer des dossiers sur tout le monde, ça ne me correspond pas. Par contre, je vais faire un sketch. Je fais une vidéo, je vais parodier, je vais faire un photomontage. Mais par contre, je vais dire la vérité, tu vois. Je vais dire que oui, ce média, il en a que pour Fernand Lopez. Mais ça, après, il fait ce qu'il veut. Moi, je m'en tape. Mais ça me fait rire, je le dis. Et tout le monde le pense. Et ça fait rire tout le monde. Voilà. Maintenant, pour moi, il n'est pas crédible, tu vois. Il n'est pas crédible du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a que pour le MMA Factory, il n'y en a que pour Fernand Lopez, il n'y en a que pour. Maintenant, si vous avez un contrat ensemble, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Ne dis pas objectif ou ne dis pas non avec tout impartial, non. Dis voilà, bon, on aime bien Fernand et puis on fait ça, voilà,
On est payé aussi, donc on ne peut pas tout dire. Voilà. Tu sais, il faut dire la vérité aux gens, tu vois, même si parfois la vérité, elle est difficile à dire. Il ne faut pas prendre les gens pour des teubés. Donc moi, j'ai aucune animosité, moi, même envers la sueur. Moi, j'aime bien Guillaume et tout, il n'y a pas de souci, ils m'ont rien fait de mal. Personne ne m'a rien fait de mal. C'est juste que bon, moi, je suis drôle. J'essaie de faire rire les gens. Tu nous as bien imité, en tout cas. C'était... Attends, parce qu'il va nous imiter dans quelques instants. Ça va être moins drôle. En tout cas, alors, on sentait que tu te retenais sur cette touche d'humour. On sentait que tu te retenais il y a quelques temps, et là, ça y est, t'es en roue libre, voilà, tu te lâches. Qu'est-ce qui a débloqué ça? Ça y est, tu attends une réponse de leur part ou... C'est YouTube, ça m'a saucé, là. Je me suis dit, attends, les gens... Attends, j'ai un truc que je garde en moi, alors que je peux m'exprimer. Et là, la chaîne YouTube, elle m'a permis de m'exprimer... Et puis, je sais pas, c'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu calme. Et là, je me lâche un peu plus, je sais pas, il y a des phases, hein, je sais pas. J'ai découvert un nouveau jouet de YouTube. Et ça a bien décollé son jouet. Hein. Ouais, ça marche très, très bien décollé. Ça marche bien. Alors, l'émission va bientôt toucher à sa fin, donc on va conclure. Tu nous as dit que, donc, dès que tu as su que tu combattais, tu t'es envolé pour Dublin. Comment ça se passe ta préparation? Est-ce que tu as un traitement de faveur privilégié du fait que tu es Cédric Doumbé? Ou est-ce que tu t'entraînes comme Monsieur Tout-le-Monde au SBG? Comment ça se passe pour toi? Non, je m'entraîne comme tout le monde. Comme tout le monde, on s'entraîne dans tout le monde. Après, c'est vrai que le coach, de temps en temps, il va me prendre à part dans une phase, dans un créneau où il n'y a pas l'entraînement collectif pour travailler un peu le côté spécifique. Mais en entraînement collectif, non, je m'entraîne comme tout le monde. Il n'y a pas de traitement de faveur spécial. Hein. Et après, limite, toi, tu ne veux pas ça, à la limite. Toi, ce que tu veux, c'est être traité comme tout le monde, c'est-à-dire sur les mêmes bases. C'est ça. Charbonné. Après, quand même, ils me donnent le respect que je mérite, dans le sens où ils savent qui je suis. Et quand il y a un conseil technique, c'est vers moi qu'ils se tournent pour le striking. Et ça fait plaisir, parce que cool, ça montre quand même. Trop bien. Et alors, dans ton coin, ce serait John Kavanagh ou pas? Le 17 ouais, décembre. Normalement, s'il y a une chance, ouais. Super. Donc, on part sur une date à Bordeaux. Comment tu vois la suite de la saison? Là, on est au mois de novembre, je commence en décembre, janvier, février. Écoutez, tant que il n'y a pas de date officielle pour l'UFC France, je vais essayer de combattre, on va dire, tous les mois et demi. Tous les mois et demi, j'ai envie d'enchaîner, j'ai envie de rester actif. Donc, pourquoi pas combattre en janvier ou en février, soit au KFW ou soit au MMA GP, s'ils organisent. Et puis, voilà. Et en attendant qu'il y ait l'UFC France, et boum. Ça semble possible d'enchaîner les weight cutting comme ça tous les mois et demi? T'as pas besoin d'une grosse récup après? Là, j'ai pris une bonne résolution. Donc là, je le fais en direct sur Sport en France. Je prends la résolution de ne plus monter en poids, de ne plus faire le yo-yo. C'est-à-dire que là, après le combat, j'ai essayé de me maintenir au moins à 82 kilos de manière à la chose que je dis 84. 84 kilos de manière à ne pas... avoir un choc après quand j'entends un entraînement. Parce que là, je suis très très lourd. J'ai des joues, je suis à 90 kilos. Et ah, t'es à 90, voilà, peu... ça ouais. Ouais. Oh, ça va, ah ouais, ça va. Ouais, ouais, mais bon, il y a un mois, quoi. Fin... Ouais, ouais. Un mois, c'est court, quand même. Bon, alors... petite question, Cédric. Est-ce qu'il y a une chance, une petite chance, que tu reviennes un jour pour un combat en pied-point? Ou c'est une page qui est tournée? Ouais, il y a une chance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a de l'engouement autour de ce combat, si l'adversaire en vaut la peine et s'il y a de l'argent, ouais. Ah, donc tu n'as pas encore fait ton adieu au pied-point? Pas définitif? Non, adieu. Là, pour l'instant, je me balade un peu. Je vais mettre des KO un peu ailleurs, montrer un peu que je suis le meilleur. Après, si on m'appelle et qu'il y a un truc intéressant, je reviens au pied-point. Ouais. Même au judo, même j'y vais. Super, Cédric. Eh bien, merci pour ta disponibilité. On te suivra donc le 17 décembre au MMA GP de Bordeaux. Ce sera en direct sur Sport en France. Donc, notez bien ça dans vos agendas. Et voici la bande-annonce. Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission du MMA Bordeaux.
Merci Cédric en tout cas d'avoir été avec nous. On va tout de suite jeter un œil au calendrier et aux événements de cette fin d'année. Le 10 décembre aura lieu l'European Beatdown Ultra, c'est le carrefour européen du MMA. Le 8 décembre, Michael Leboux versus Carla Moussou, c'est clairement le choc franco-français de cette fin d'année. Le 17 décembre, au Brave, Axel Solar retrouvera Issa Isakov sur sa route. C'était son adversaire lors de la finale européenne à l'IMAV. Donc gros combat en perspective. Et le dernier rendez-vous de l'année pour le MMA français, eh bien, c'est ce combat au MMA Grand Prix avec Cédric Doumbé qui nous promet donc du gros spectacle. Prenez vos billets ou en tout cas mettez-vous bien devant la télé parce qu'il va y avoir du croustillant ce soir-là. Et eh bien nous, on va se retrouver donc la semaine prochaine, Sébastien. C'est déjà la fin de cette émission. Déjà. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec Michael Leboux parce qu'on va parler forcément du Arès qui aura lieu en début décembre évidemment. À suivre donc dans cette émission. À très bientôt. Bye bye.